Yeah.
Alors, bonjour tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Ça commence à sentir l'Halloween, parce qu'on se promène dans les rues. Entre autres, ici chez nous, ça sent l'Halloween. Mes enfants, avec la famille, on adore décorer. C'est très décoré chez nous. En fait, j'ai pas terminé, il faut que je décore le garage parce qu'on reçoit les Halloweenieux dans le garage. Donc à chaque année, on fait. Je vais juste fermer le son, excusez. J'entends de la musique en arrière-plan, là. Donc, comme je disais, oui, donc on décore le garage et on reçoit les Halloweenieux. Donc, on fait une espèce de grotte assez décorée, et on met de la fumée et tout, là. Donc, c'est une belle fête, c'est une fête le fun, on adore ça. Quand vous promenez aussi sur Netflix, ces jours-ci, on voit beaucoup de séries d'épouvantes, d'horreur. D'ailleurs, j'ai commencé à écouter une série qui s'appelle la série des Exorcistes. En fait, je pense qu'elle a été diffusée à Fox. Maintenant, elle se retrouve sur Netflix. Je l'avais croisée une couple de fois sur Fox ou un autre réseau américain. Je ne me souviens pas le nom exactement. J'ai commencé à écouter ça, puis oh my God! C'est assez épeurant. Donc, ça va dans la veine du film L'Exorciste, en fait. Si vous cherchez une série pour vous faire peur, ben, c'est la série à regarder. J'ai aussi commencé une sur la maison House Hill. Je me souviens pas du nom exact, là, mais si vous tapez House Hill dans Netflix, on écoutait la première saison en famille et parce que mes enfants ont eu peur. Donc, c'est basé sur un livre que j'avais déjà lu à quelques occasions. Livre sur une maison d'horreur, je pense que l'auteur c'est Shirley Jackson. Ça a été écrit dans les années 50. Lorsqu'on lit encore aujourd'hui, c'est encore super le fun. Donc, ils ont fait une série basée sur ça. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour vous? Beaucoup de choses en fait. J'ai pas de sujet précis aujourd'hui parce que ça fait 3 semaines que j'ai tenu la dernière émission. Beaucoup de choses qui sont passées en 3 semaines. Hein, 3 semaines en informatique, c'est impressionnant tout ce qui peut se passer. Dans ces 3 semaines-là, en 3 semaines, pardon. Juste avant peut-être commencer, un rappel, si vous voulez être notifié par courriel de mes émissions, vous pouvez vous abonner à la liste de diffusion. Il suffit juste de m'envoyer un courriel. Mon courriel est en haut de l'écran ici. Vous mettez sujet Twitch, abonnement Twitch, pardon, et automatiquement vous allez aller dans un document sur Google Doc et vous allez recevoir les notifications par courriel quelques jours avant les prochains épisodes. Un rappel aussi que tous mes vidéos sont avec aucun montage. Les vidéos telles que je les prends en live se retrouvent sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est l'endroit où j'archive tous les vidéos. Donc, je vous mets ça dans le chat juste encore une fois comme un rappel. Donc, c'est ici. Est-ce que ça marche toujours? Oui, excellent. Donc, n'hésitez pas à aller revoir ce que j'ai présenté. Souvent, je me promène en clientèle, puis il y a des clients qui me posent des questions, puis je dis, oh, j'en ai parlé cette émission-là. Donc, c'est le fun. Je commence à avoir assez d'épisodes, assez de contenu pour faire des références comme ça, donc c'est super le fun. Donc, maintenant, un prochain sujet. On va updater le titre ici. Donc, sur quoi j'ai travaillé? Est-ce que ça a fonctionné? Oui, sur quoi j'ai travaillé. Donc, le titre s'est mis à jour. Donc, comme je fais à tous les épisodes, je parle un petit peu de ce que j'ai fait dans les dernières semaines. Donc, ça fait 3 semaines qu'on s'est vu, beaucoup de choses encore une fois. D'ailleurs, les sujets aujourd'hui vont découler un petit peu de ce que j'ai croisé comme information pendant ces 3 semaines-là, dans ces événements-là. Tout d'abord, j'ai assisté au Red Hat Tech Exchange, qui est un événement, c'est pas un événement public, j'en avais parlé à la dernière émission, c'est un événement interne à Red Hat. Donc, c'était la deuxième édition cette année. Et on a été invités, nous les architectes. En fait, c'est le groupe de notre équipe de service en fait, qui invite tous les consultants à venir pendant 3 jours, à être formés sur les roadmaps, parler avec les product managers. C'est un peu le mini summit interne. Donc, on a été invités, les architectes, cette année à assister aussi. Donc, ça avait lieu à Orlando. Pas avoir des pires places que ça pour tenir ce genre de forum-là, mais donc, j'adore Orlando. Je suis allé 2 fois avec mes enfants. D'ailleurs, si vous n'êtes jamais allé à Orlando avec vos enfants, il faut mettre ça sur votre liste de must go. Donc, must place to do with your family. Définitivement, écoute, quand je suis arrivé là, première des choses, quand tu arrives à l'aéroport à Montréal ou à Toronto, tu arrives à une gate et c'est rempli d'enfants. Tu ne poses pas de questions, tu es à la bonne gate, tu t'en vas à Orlando. C'est vraiment la destination des familles, je pense, en Amérique.
Quand on arrive à l'aéroport aussi, c'est quand même assez coloré. C'est assez Disney, assez Universal Studios aussi. Donc, super, c'est un aéroport qui a un certain âge, par contre. C'est pas l'aéroport le plus moderne aux États-Unis. Mais il reste que c'est le fun. Il y a l'ambiance, on sent le plaisir que les familles ont à arriver à l'aéroport et d'avoir hâte d'aller voir Disney. Donc, c'est. Et les parcs là-bas sont géniaux. J'ai fait Disney, quelques parcs à Disney, des parcs d'eau. J'ai fait Universal Studios aussi avec la famille. On a adoré ça. Et lorsque je suis arrivé là la semaine passée, je suis arrivé seul et il manquait quelque chose, il manquait mes enfants avec moi. Donc je vous le dis, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça avec les enfants. Notre Tech Exchange, en fait, avait lieu. Pas sur le site d'Universal Studios, mais tout près, vraiment collé sur Universal Studios. L'hôtel était vraiment à quelques minutes à pied d'Universal Studios. On en a profité pour aller à Universal Studios pratiquement tous les soirs. On est allé souper là, prendre une bière. Donc, c'était très super le fun. Je vais vous montrer des photos dans quelques instants. De mon côté, j'ai participé à un panel de discussion des architectes. Je vais revenir sur ça dans quelques instants. Et j'ai fait un paquet de découvertes pendant cette semaine-là, vraiment des très bonnes sessions, assez techniques, très différentes des autres rencontres internes que j'ai faites, mais je vous reviens là-dessus dans quelques instants. Donc, allons-y avec les photos. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon dossier de photos? Donc, j'ai fermé mon dossier de photos. J'ai fermé trop de choses tantôt. Je vous montre ça dans quelques instants. Desktop. OK, je l'ai ici. Je partage ça avec vous. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que j'ai fait partie d'un panel. Donc, le matin, tôt le matin, ça commençait à 8h30 le panel. Donc, je suis arrivé un petit peu plus tôt le matin pour venir voir la salle, puis même me pratiquer ce que j'allais dire. Donc, ce que je fais à chaque fois que je présente, je prends le temps toujours de me pratiquer, d'aller voir la salle, de sentir un petit peu la salle. Donc, c'est ce que j'ai fait ce matin-là. Donc, j'ai pris une photo. Il y avait déjà des gens qui étaient arrivés. Là, je crois qu'il était, il va être 8h moins quart, même proche à 7h30. Les gens techniques étaient en train de faire le setup. Donc, c'était quand même une salle assez impressionnante, une des plus grandes salles dans lesquelles j'ai eu l'occasion de présenter. Et me voici ici sur le panel en pleine action. Vous voyez aussi les sujets qui ont été traités. Le panel était sur le top 8 des bonnes pratiques pour les architectes de solutions. En fait, je présentais devant mes collègues qui sont architectes de solutions. On parle d'environ 200, 200, 250 personnes qui étaient présentes lors de ce panel-là. Donc, on répondait à des questions. Et d'ailleurs, ce que je fais sur Twitch a été mentionné sur ce panel-là au point 8. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs questions par la suite sur ce que je fais avec Twitch. C'est quoi l'équipement que ça prend? C'est quoi les sujets que tu parles? Donc, ça a été super le fun. J'ai pu partager ce que je fais avec vous depuis quelques mois déjà. Donc c'est ça. Quoi d'autre? Oh oui, sans oublier, si vous avez suivi un petit peu ce qui se passe au niveau de la météo la semaine dernière, eh bien, il y a Michael, l'ouragan Michael, c'est drôle, Michael qui s'en va à Orlando et je rencontre l'ouragan Michael, donc quand Michael rencontre Michael. Donc l'ouragan est passé tout près d'Orlando. Ça a été un sujet assez chaud pendant la semaine, les gens parlaient beaucoup de ça. À la télévision, lorsque j'ouvrais la télévision, j'arrivais à l'hôtel le soir, tous les postes parlaient de cet ouragan-là. C'était assez impressionnant comment ça pouvait monopoliser tous les postes de télévision. Mais avec raison, en fait, quand je suis parti le dimanche soir, cette tempête-là n'était qu'une tempête tropicale. Cet ouragan-là n'était qu'une tempête tropicale. Ça n'avait pas trop le pattes que ça allait prendre. Il y avait des possibilités que ça s'en allait vers Orlando où on était. Donc, c'est un petit peu stressant de partir, sachant qu'il y a peut-être un ouragan qui va se former, qui va nous frapper. Bref, on a un groupe chez nous qui surveille ça en passant lorsqu'on a des événements comme ça. Le groupe s'appelle Isaac. C'est un groupe de personnes. Et s'il y a eu, si l'ouragan aurait été sur la perle d'Orlando, on nous aurait évacués assez rapidement. Donc, ils ont surveillé ça. Et moi aussi, inquiétez-vous pas, j'arrivais à l'hôtel. La première journée, je regardais à quoi avait l'air l'ouragan. Et la tempête au départ. Et très rapidement, elle est passée de 1 à 2 à 3. Et mais le matin, je pense que c'est le mercredi matin, je me suis levé et j'ouvre la télé, je regarde les infos. On parlait encore de cet ouragan-là. Elle était passée à 4. Elle était tout près d'arriver à 5. Et elle frappait terre, je pense, l'après-midi ou le lendemain matin. Donc, et Michael, si vous n'avez pas suivi, a dévasté, entre autre, deux villes. Là, je pense que c'est. Je ne me souviens pas des noms. Mexico Beach, puis il y en a un autre, là, j'ai déjà oublié le nom. On a vu des images, vraiment, des villages complètement dévastés.
Donc, ça a été une tempête assez forte. Nous, ce qu'on a senti, si vous pouvez voir ici, là, on a senti la queue un peu, là, quand ça tourne, ça fait beaucoup de vent. Ma grande surprise, c'était des vents très chauds. Ben, ma grande surprise, en fait, je n'avais jamais croisé un ouragan de ma vie. Donc, je pense que c'est la première fois que j'étais aussi proche d'un ouragan que ça. Donc, les vents étaient très chauds. Il a venté beaucoup le jeudi. On a eu des bonnes orages aussi. Beaucoup de pluie, mais c'était pas soutenu, ça arrêtait, là. C'est comme typique à la Floride, là, souvent en fin de journée, parce qu'il fait chaud, il y a des orages, il pleut pendant quelques minutes, puis c'est fini après, là, ça se dégage, puis on a du soleil. Donc, on a vu ça un petit peu jeudi, mais les nuages sont restés un petit peu plus présents. Sinon, ici, vous montrez, c'est sur le site d'Universal Studios, donc c'est tout près de l'hôtel où on était, on arrivait sur un pont pour rentrer sur le site. Il y a une section sur Universal Studios qui est gratuite, une section de restaurants, de boutiques. Donc, on est allé là pratiquement toutes les soirs. Là, on est allé manger au Hard Rock Café cette soirée-là. Pour vous montrer aussi la fameuse boule Universal Studios que tout le monde se fait prendre en photo. C'est aussi dans la partie gratuite du parc. Donc, on a marché le soir. Genre, belle ambiance, beaucoup de monde, très coloré. Sinon, on a eu des soirées le soir thématique. Ici, c'est la soirée Techno Night. No, NO, là, dans le sens qu'il n'y a pas de technologie. Ce soir-là. Mais en fait, il y en avait un petit peu, là, vous voyez en arrière les arcades. Mais ce qui était cool, c'est les tables de baby-foot. Et je pense qu'il y avait même les tables de ping-pong qu'on ne voit pas, là, qui étaient colorées avec des LED. C'était vraiment super. Voici le Tech Exchange. En fait, ici, on était environ 1000 employés chez Red Hat qui participaient à cet événement-là, principalement des gens de service et des architectes. Finalement, on est allé un soir, on a eu la chance un soir d'aller visiter le parc pour lequel ils avaient tout décoré pour l'Halloween, un des parcs Universal Studios. Donc, j'ai pris une photo ici, je sais qu'elle brouille un petit peu, mais ça démontrait bien l'ambiance qu'il y avait. C'était assez lugubre comme ambiance. Il faisait chaud cette soir-là, très très chaud, c'était très, très chaud humide, mais c'était vraiment bien. Là. Les décors étaient super. Beaucoup d'acteurs sur le site qui étaient là, déguisés. Il y en a d'autres qui voulaient nous faire peur. Des gens qui nous couraient après avec des chaînes de ça, des fausses chaînes de ça. Mais il y avait vraiment une belle ambiance. Les décors étaient vraiment hallucinants. Comme seul, on peut voir à Orlando tous les décors. On a eu la chance d'aller faire. On a eu la chance d'aller voir le manège. En fait, pas qu'on a eu la chance. Mon but en allant à Universal Studios ce soir-là, c'était d'aller voir le manège de Stranger Things. J'en ai parlé lors de la dernière émission. C'est une série très populaire sur Netflix. Si vous n'avez pas écouté, je vous recommande fortement. On est allé voir le manège. On est arrivé à l'entrée du manège. Comme la plupart des manèges ce soir-là, il y avait beaucoup de monde. Imaginez, là, les conférenciers, tous les conférenciers, les participants à la conférence de Red Hat étaient là. Donc, 1000 personnes déjà dans le parc, plus tous ceux qui y vont habituellement. Donc, ça faisait beaucoup de monde dans le parc. La plupart des manèges affichaient des 60, 90, 120 minutes d'attente. Donc, on est arrivé à Stranger Things, il y avait 90 minutes d'attente. Ça nous a pas pris 90 minutes. Je vous dirais pas loin du 90 minutes, mais peut-être 1h10, 1h15 d'attente. Et dans la file. J'ai pas pris de photo parce qu'il n'y avait pas vraiment rien à prendre en photo. C'est des manèges temporaires qui sont là, fait que l'extérieur n'est pas vraiment décoré. C'est vraiment à l'intérieur qu'on voit la thématique. Puis on ne pouvait pas prendre de photos à l'intérieur, ni de vidéo. J'ai pris des petits bouts, mais c'est tout noir, on ne voit rien. Sinon, il y a des gens qui l'ont filmé, là, puis qui l'ont mis sur YouTube pour aller voir. Mais c'est un labyrinthe, on se promène, puis on est dans la thématique de Stranger Things. On croise les différents acteurs qui interprètent les personnages de la série. C'est très focusé sur la saison numéro 1. Mais ce qui est dommage, c'est hyper rapide. En 4 minutes, on a fait le tour. Fait que tu viens d'attendre 60, 70 minutes, même un petit peu plus, pour un 4 minutes de marche. 3-4 minutes, c'était vraiment très, très rapide. Puis on ne pouvait pas vraiment rester puis regarder, admirer les décors. On avait du monde qui poussait là, pour passer. Donc, on a fait ça très, très vite. Je vous dis, ça ne vaut pas la peine de faire un voyage à Universal Studios pour voir ça, mais ça vaut. Si vous êtes dans le coin, vous allez voir ça. C'est super le fun. C'est ce que j'ai ramené mes enfants comme souvenir. Mes enfants sont des amateurs de Stranger Things. Ce que j'ai trouvé vraiment cool le soir quand je suis arrivé, on était dans la file, puis il y avait des enfants qui avaient ces lumières-là dans le cou. Donc j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était une bonne idée d'apporter ça, rapporter ça comme souvenir à mes enfants. Donc j'ai ramené chacun un chandail et ces lumières-là. Sinon, c'était le dernier soir ici, thématique des années 80 au Tech Exchange. Je trouvais le logo vraiment bien réussi, là. Faisait bien ambiance années 80. Et on a eu
à la toute fin de cette soirée-là, alors que tout le monde était quand même assez pompette, on a eu un souper bien arrosé. À la fin de la soirée, il y avait un démo jam. Donc, en fait, c'est un résultat du démo jam. C'est des participants qui créaient des démos cool pour présenter cette soirée-là. Il y avait deux finalistes qui avaient été retenus. Eh bien, oui, vous voyez bien Minecraft qui est là. Donc, effectivement, des gens de chez Red Hat qui ont intégré Minecraft, si vous voulez, avec ce que vous voyez à l'écran, Tower et OpenShift. Donc, lorsqu'ils mettaient un bloc, lorsqu'on créait un bloc dans Minecraft, Tower appelait OpenShift pour lancer un nouveau container. Lorsqu'on détruisait les blocs, on faisait l'inverse. On appelait OpenShift pour descendre le nombre de containers. Donc, vraiment, rien de vraiment pratique. C'était juste pour démontrer l'intégration. Mais vous imaginez, c'est le party, les années 80. Tout le monde était peut-être 10 heures le soir. Tout le monde était pompette un petit peu. Donc, cette démo-là a fait virer le monde fou un petit peu. Et par la suite, on a eu la deuxième démo, qui était plus sérieuse, mais quand même super bien. Des gens qui démontraient une application qu'ils avaient développée pour aider à gérer le déplacement du troc Red Hat qu'on a vu à Québec et à Montréal dans les dernières semaines en utilisant OpenShift. Donc, c'était plus sérieux. Malheureusement, ils n'ont pas gagné parce que la portion Minecraft était beaucoup plus cool que le troc Red Hat. Donc, super soirée. Donc, c'est les photos que j'avais à vous présenter qui résument un petit peu ce que j'ai fait à Orlando, au Tech Exchange, la semaine passée. Sinon, sur quoi d'autre j'ai travaillé? L'Ansible Meetup. On a deux Ansible Meetup ce mois-ci. Donc, on a eu le premier à Québec, premier Meetup Ansible à Québec. Donc, ça fait un an qu'on travaillait à le mettre en place, à récolter en fait des participants. Donc, très content d'avoir livré le premier Ansible Meetup mercredi soir dans les bureaux de Microsoft. C'était le premier. 30 personnes, environ une trentaine de personnes, je n'ai pas compté, là, mais il y avait 25 places assises et pendant la soirée, il y avait des gens debout. Donc, j'estime environ une trentaine de personnes qui sont présentées, on peut dire entre 25 et 30. Un succès, la première fois que j'ai. La première fois qu'on a fait un meetup Ansible à Montréal, on recule là, presque 3 ans. C'est sûr qu'Ansible n'avait pas la cote qu'il y a aujourd'hui. Mais je pense qu'il y avait 7 personnes dans la salle. On avait fait venir quelqu'un des États-Unis. Donc, c'était un petit peu gênant. Mais à Montréal, ça roule très très bien maintenant. On a le meet-up la semaine prochaine. On affiche pratiquement sold out à 90 inscriptions. Donc, mais c'est le fun de voir qu'à Québec, plus petit marché, mais quand même beaucoup d'intérêt pour Ansible. Tiens, je vais vous montrer des petites photos ici. Je l'ai dessus, ouais. Je vous partage ça. Donc, juste, David a uploadé une couple de petites photos. Qu'on voit les photos. Non, c'est pas le bon. Je ne sais pas si c'est dans le bon. On va aller dans le bon ici. Je pense, ouais, vous voyez bien. Donc, si je regarde Ansible Québec, on gère, en fait, je gère deux rocks, deux groupes Ansible. Donc, première photo ici, la soirée. Regardez comme c'est plein. On va aller ici. Donc, David s'est amusé à prendre des photos. C'est-tu ici? Ouais, un petit peu. C'est celle-là. J'étais à la bonne place. OK, ils sont ici. Donc, David s'est amusé à prendre des photos en descendant de Montréal. Donc, c'était dans les bureaux de Microsoft à Québec, la rencontre. Très beau bureau en passant. Et merci encore une fois à Microsoft de nous avoir accueillis gratuitement pour cette soirée-là. Donc, Mathieu ici, Benoît de Microsoft qui a présenté sur Ansible et Azure. Ici, c'était moi qui faisais l'introduction. Eric Gaulin qui a présenté les premiers pas dans les développements modules Ansible, qui n'est pas évident, mais je pense qu'Eric a bien fait un bon sommaire de ça. Donc, c'était les gens au début. Ici aussi, c'était au début, lorsque David présentait. Donc, ça a été un bon succès, bien content que ça s'est bien passé. On a bien hâte de faire le prochain. On a décidé qu'on ne faisait pas des meet-ups à tous les mois. Là. Des meet-ups, il y en a une quantité phénoménale. Et les gens n'ont pas le temps de tout les couvrir, donc rien, ça ne donne rien de surcharger les gens de meet-up à tous les mois. Dans notre cas, pour Ansible Meetup Québec, on va y aller, on en faire deux par année, comme on fait à Montréal, donc un à l'automne et un au printemps. Donc à Montréal, on a glissé sur lui du printemps l'année passée, mais l'année passée, le printemps était complètement fou en termes d'événements. Donc, on prend ça. Donc, c'est en gros sur ce que j'ai travaillé. C'est sûr que j'ai toujours des demandes clients, des meetings clients, là, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Je vous fais part de juste les grosses choses qui se sont passées dans les dernières semaines.
Prochain sujet. Je copie ça sur le titre ici en haut à gauche. Enregistrer. C'est les prochains événements. Donc, pas rien de nouveau depuis la dernière fois qu'on s'est vu. On a le Ansible Meetup, comme je mentionnais, la semaine prochaine, le mercredi 24 octobre. C'est à nos bureaux à Montréal. Plein de super sujets. Les gens qui ont mis en place, qui montent les présentations, travaillé fort. J'ai discuté avec certains de ce qu'ils allaient faire. Donc, j'invite à venir. On est presque sold out. Quand je dis sold out, peut-être une petite note ici sur les meet-ups et les rugs. Ça vous touche peut-être pas, mais je vous explique ce qui se passe avec ça. On prend les inscriptions via meetup.com. C'est le fun de voir comme à Montréal, la semaine prochaine, on a pratiquement 90 personnes qui ont confirmé. Mais en réalité, il n'y a pas 90 personnes qui se présentent. Okay? Pour Montréal, pour les meet-ups, en général, on coupe en deux. Donc, si on a 90 inscriptions, on a 45 personnes qui vont se présenter. On ne se trompe pas beaucoup avec ça. Même si j'envoie des rappels, je demande aux gens, s'il vous plaît, confirmez ou non votre présence. Si vous ne venez pas, enlevez-le votre nom. Okay? Parce que nous, lorsqu'on fait le setup de tout ça, lorsqu'on monte ces événements-là, on se base un petit peu sur combien de personnes qui se présentent. Donc, quand je commande la nourriture, quand on fait le setup de la salle, donc on se base sur ça. Si vous inscrivez que vous venez, mais finalement vous ne venez pas, je sais qu'il peut y avoir des imprévus, faites-le sur le site de Meetup ou faites-le sur l'application. On peut installer l'application sur le téléphone. Donc nous, ça nous donne l'heure juste, puis je vais commander mon nombre de bouffe, on va éviter de faire des gaspilles. Organiser ces événements-là, il y a beaucoup de coordination, donc j'en fais quatre, je peux vous en parler en long et en large. C'est beaucoup de travail, souvent c'est en dehors des heures de bureau. Comme la semaine passée, on a fait les meet-ups à Québec. On a travaillé beaucoup là-dessus à organiser ça. Mais Mathieu nous a aidé de son côté pour la logistique au niveau de l'endroit. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait, beaucoup d'efforts. La seule chose qu'on vous demande, hein, c'est gratuit, on vous l'offre, on vous donne des goodies, on vous donne la bouffe. La seule chose qu'on vous demande, c'est de confirmer ou non votre présence. Okay? Si vous pouvez respecter ça, ça va nous aider beaucoup. Donc, c'est une petite parenthèse. Autre événement, le workshop OpenShift le 25 octobre prochain, donc la semaine prochaine, je pense que c'est jeudi. Oui, jeudi prochain. Donc il y a deux tracks, encore une fois, j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Donc OpenShift pour développeurs, OpenShift pour opérateurs. Là, Operator est sold out, on a même overbook. Si jamais vous voulez vous présenter, vous n'êtes pas inscrit ou vous voulez la faire, venez quand même à l'événement, s'il y a de la place, on va vous mettre. Comme je dis, il y a toujours des gens qui ne se présentent pas. Sinon, vous allez pouvoir reprendre ça si vous voulez venir à Québec le 20 novembre. Donc, le 20 novembre prochain, on va avoir le Red Hat Day Québec. L'agenda n'est pas tout à fait officiel encore, mais la session générale, le matin, ça va être des sessions générales. Je vais y présenter là sur la sécurité, entre autres. Et l'après-midi, on va faire un workshop OpenShift pour les opérateurs. Donc, je vous invite à vous inscrire. C'est pas vous inscrire. Je ne peux pas vous inviter à vous inscrire. C'est pas affiché encore. On devait l'afficher aujourd'hui. Il reste des petites choses à valider avec le marketing avant. Mais je vais parler avec Alex cet après-midi. Je vais me prendre une note. J'avais complètement oublié ça. Donc, c'est bon. OK, maintenant, fini pour les événements. Allons dans le cœur du sujet aujourd'hui. Donc, les nouvelles. Donc, ça va être le sujet principal aujourd'hui. J'ai un paquet de nouvelles pour vous. En fait, c'est basé sur les événements des trois dernières semaines. Donc, ce que j'ai découvert au Tech Exchange, mais aussi, il y avait un gros événement aussi, sur le cul de deux semaines, juste avant le Tech Exchange, c'était l'Ansible Fest, qui avait lieu à Austin, Texas, si je me souviens bien, je pense que c'est Austin, hein? Je ne sais pas si c'est quelqu'un en ligne qui peut confirmer, Eric, je crois que tu es encore là, en tout cas, bref, je pense que c'était Austin, peu importe, c'était l'Ansible Fest, donc deux fois par année, les développeurs Ansible se regroupent pour discuter du futur de Ansible. Et regardez ici, tiens, je vais vous prendre, j'ai une petite photo ici du Ansible Fest, regardez ça comme il y avait du monde. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, ça semble peut-être sombre un petit peu, là, mais allez sur le site au pire de l'Ansible Fest, vous allez voir. Donc, beaucoup de monde cette année, je pense qu'on a dépassé le millier, 1200 participants. Donc, super, super le fun de voir que c'est populaire comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à ce niveau-là? Deux annonces, j'en passe ici. Deux annonces assez importantes, si vous avez manqué ces annonces-là. Tout d'abord, je vais y aller avec celle-là. Tiens. On va commencer avec celle-là ici. On peut la copier dans le chat. Si vous voulez aller voir directement,
Donc, je fais ça immédiatement. Donc, tout d'abord, on a annoncé un nouveau, je pourrais dire, framework de sécurité. Donc, Ansible Security Automation, ASA. Donc, quelque chose que j'avais déjà parlé, je pense, sur Red Hat à Montréal. Mais officiellement, c'est sorti au Ansible Fest. Donc, ce nouveau framework qui va permettre de faciliter aux gens qui proposent des solutions de sécurité ou des solutions ce que vous voyez ici, là, Intrusion Detection System, IDS, ou des Security Information and Event Management, ce qu'on appelle des CMM. Donc, faciliter l'intégration de ces solutions-là avec Ansible pour pouvoir automatiser ce qu'il y a à l'intérieur. Et déjà, on a des modules de prêt. Donc, du côté Checkpoint, Splunk et Snort. Donc, et je vous montre quelque chose de super qui n'a pas été encore vraiment côté public. Donc, ce qu'on a fait pour automatiser, en fait, s'il arrive une connexion, une violation des règles au niveau d'un firewall Checkpoint, comment, grâce à Ansible, on peut intégrer Checkpoint, Splunk et Snort ensemble, j'allais dire together. Je vois le mot écrit en anglais, là, mais pour travailler ensemble et automatiser, en fait, s'il y a une règle qui est violée, comment se protéger d'une façon automatisée. Donc, Checkpoint, en fait, ce qu'on a, on a une job qui roule, qui monitore le load sur le CPU, la mémoire, les disques. Souvent, lorsqu'il y a une attaque sur un firewall, le firewall va travailler beaucoup plus. Donc, Checkpoint va déclencher un playbook Ansible pour envoyer son contenu de ses logs dans Splunk. Splunk va analyser, fournir les logs, je pense, de ce que je peux comprendre, à Snort. Snort va aller voir c'est quoi l'adresse IP qui cause ces attaques-là. Va retourner l'information à Splunk, qui lui va dire à Checkpoint, toujours au travers de Playbook Ansible, de barrer cette adresse IP-là. Donc, au lieu de faire ça d'une façon manuelle, ce que plusieurs gens en sécurité font aujourd'hui d'une façon manuelle, grâce à Ansible, grâce à ce nouveau module-là qu'on a mis en place pour faciliter l'intégration de ces solutions-là ensemble en utilisant des playbooks. Donc, super concept, super le fun. Donc, ça, c'est la grosse annonce. Donc, vous allez voir, comme ça, là, il y a trois partenaires, mais il y en a d'autres que j'ai vus à l'interne, là, des gros noms en sécurité qui travaillent en ce moment des modules avec nous. Donc, vous allez voir apparaître des modules vraiment orientés beaucoup plus sécurité avec Ansible dans les prochains mois. Autre annonce qu'on a fait, on veut offrir du contenu certifié. Donc, lorsque vous téléchargez des... merci Eric pour confirmer que c'était à Austin, en Texas, le Ansible Fest. Autre chose qu'on a annoncé, justement, je l'ai dans les notes ici, en plus, on le voit ici dans le titre. Donc, le programme de certification, pour en fait permettre de fournir du contenu qui est certifié. Quand je dis du contenu Ansible, c'est quand vous allez sur Galaxy, par exemple, vous téléchargez des rôles, mais vous voulez être sûr que le rôle que vous téléchargez, il fait bien ce qu'il dit, puis ne compromet pas rien. Donc, on a annoncé un programme de certification à ce niveau-là, certifier des modules, certifier des rôles, et on va faire ça au travers avec l'aide de Galaxy. Ce qui veut dire que Galaxy va prendre aussi, Ansible Galaxy va prendre une tournure Enterprise. Donc, on devrait avoir une version Enterprise de sortir éventuellement de Ansible Galaxy. Comment on arrive à faire ça? Comment on va arriver à offrir quelque chose de plus solide au niveau de Galaxy? Ben, on a annoncé aussi, on a fait deux grosses annonces au Ansible Fest. Tout d'abord, Molecule. Projet Molecule sur GitHub qui est ici, joint le projet Ansible. Donc, maintenant, Molecule va être géré par Ansible. Qu'est-ce que c'est Molecule? Molecule, ça permet de tout simplement tester. C'est une plateforme pour tester vos rôles. Donc, ce que Molecule fait, permet de démarrer soit une VM ou un container, exécuter le playbook à l'intérieur, puis lancer une plateforme de test. La plateforme de test, c'est une plateforme de test écrite en Python. Elle s'appelle Test Infra. Donc, pour faire une panoplie de tests, pour valider les résultats du playbook. Et si tout se passe bien, on va vous dire oui. Si ça se passe pas bien, on va vous dire non. Donc, ça permet de valider que votre rôle fait bien ce qu'il est supposé faire. Donc, Molecule, c'est une plateforme pour tester ça. Et on a aussi intégré Ansible Lint, qui est un outil qui permet de vérifier la syntaxe de votre playbook et s'assurer qu'il n'y a pas de problématiques dans l'écriture de votre playbook. Il fait même des recommandations pour améliorer peut-être sa lecture et ainsi de suite. Donc, j'invite à aller jeter un œil à ça. Ici, j'avais un petit slide que j'ai présenté cette semaine au Ansible Meetup. Donc, si vous voulez installer Molecule, si vous êtes sur
sur un REL ou un Fedora, c'est pip2 install molécule. Ça s'installe tout seul. La même chose pour Ansible-lin. Une fois que c'est installé, on peut commencer à l'utiliser. On reviendra peut-être à un prochain épisode pour creuser ça, molécule, vraiment le fun comme plateforme. D'ailleurs, je crois que la semaine prochaine, au Ansible Meetup à Montréal, si mon collègue Sébastien va parler de molécule, va peut-être même le présenter. Excellent. Donc, quoi d'autre sur la liste? Ça, j'ai déjà mentionné. Oui, autre et dernière annonce qu'on a fait au Ansible Fest, c'est c'est concernant Ansible Network. Donc, on s'apprête à faire évoluer toutes les composantes réseautiques au travers, pas juste les modules, mais beaucoup au travers les rôles. Donc, on s'est aperçu, vous savez, Ansible Network est beaucoup utilisé maintenant aujourd'hui. Je fais des présentations d'Ansible Network régulièrement à des équipes réseautiques. Les gens tombent vraiment sur le dos de voir ce qu'ils peuvent faire avec Ansible. Beaucoup de choses qu'ils font manuelles, qu'Ansible peut faire automatique avec eux. Fait qu'on en a fait beaucoup. On a des grosses équipes de réseau maintenant qui utilisent Ansible pour automatiser ce travail-là. Ce qu'on a remarqué depuis quelques mois, ces équipes-là, ce n'est pas vraiment des ninja playbook ou des ninja roles. Ce n'est pas des gens qui trippent à faire ça. Donc, pour simplifier un petit peu leur travail, on va, avec les vendeurs de switch réseautique, on va créer des rôles spécifiques. On en trouve déjà des rôles spécifiques à la réseautique sur Galaxy, mais nous allons en avoir beaucoup plus dans les prochains mois. Le but ici est vraiment de faciliter la tâche des gens qui administrent des switches. Donc, je vous donne un exemple. J'ai participé la semaine passée justement au Red Hat Tech Exchange à un lab sur ça. C'était super, vraiment super bien. Donc, on arrivait dans le lab en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'un hacker avait couper la communication entre deux centres de données. Donc, communication qui se faisait au travers des switches réseau, au travers d'un VPN. Donc, le hacker avait piraté ce VPN-là. Alors, ce qu'il fallait faire dans le lab, c'était, un, de voir collecter les logs à l'aide d'Ansible et de corriger la situation avec Ansible et valider après ça qu'Ansible que tout se passait bien. Donc, pour arriver à faire ce lab-là, ben, on avait accès à des rôles qui avaient été écrits pour restaurer la connexion VPN du cloud. Donc, ce que ça évite de faire aux gens qui sont en réseautique, c'est de coder les playbooks, coder les rôles, faire la logique à l'intérieur de ça. Alors, ce qu'on fournit, ce qu'on s'est fait fournir, c'est vraiment le module pour créer la connexion VPN entre deux routeurs Cisco, et on devait juste passer des paramètres en variable. Donc, beaucoup plus facile pour les gens qui sont en réseautique, qui n'ont ils ne sont pas habiles à créer des playbooks, donc ils ont juste maintenant à remplir des variables. Et ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça, quand je dis ça? Oui, les Linux System Role qu'on livre avec la plateforme Linux, c'est exactement le même concept ici. Donc, au lieu d'écrire vous-même vos playbooks, vos rôles, c'est les ingénieurs Linux, en fait, qui font ce travail-là. Et vous passez ce que vous voulez en paramètres, tout simplement, en variables. Et le rôle s'occupe de faire le travail pour vous. Donc, c'est ce qu'on va focusser beaucoup avec Ansible Network dans les prochains mois. Donc, vous allez voir de plus en plus de rôles. Donc, vraiment super bien comme concept. Donc, c'était les gros titres, les grosses nouvelles pour Ansible Fest. Là, on va très, très vite. Je continue. Autre nouvelle, ORHTE. J'ai eu plein de belles présentations. Là, j'en aurais plus qu'une heure à vous présenter ce que j'ai découvert là-bas. Peut-être mes coups de cœur. Tout d'abord, le lab que je viens de mentionner, j'ai adoré ça. J'ai vu la toute-puissance d'Ansible, comment aussi ça peut être simple pour gérer des choses qu'on ne connaît pas du tout. Donc moi, j'ai aucune connaissance en gestion de switch Cisco, mais je suis arrivé à restaurer ici la connexion de deux centres de données en utilisant un playbook. Autre présentation que j'ai adorée, il faut que je vous parle de celle-là, c'est vraiment super. Il y avait une présentation sur le DevSecOps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme, on a entendu souvent DevOps. On rajoute Sec. Pourquoi on rajoute Sec ici, DevSecOps? C'est qu'on a inclus maintenant les équipes de sécurité dans cette nouvelle méthodologie de travail-là, DevOps. Donc, quand je suis arrivé dans la session, pour une première fois depuis que je fais ce travail-là, que j'assiste à un paquet de sessions, des conférences, je suis arrivé dans la salle et presque la moitié de la salle, je dirais pas la moitié, mais presque la moitié de la salle, il y avait des filles dans la salle. Et à ma grande surprise aussi, quand j'ai vu la personne qui présentait, c'était une fille, une belle jeune fille
super dynamique, enjouée, très connaissante du sujet. Ça m'a renversé parce que on vit dans un monde qui est très gars, malheureusement. Je ne sais pas s'il y a des filles qui nous regardent aujourd'hui ou en rediffusion. C'est pas pour être sexiste du tout, là. Je suis le premier à débattre qu'il faudra définitivement avoir plus de femmes dans notre domaine. Donc, dans cette présentation-là, la fille qui faisait la présentation, a fait un statut sur la sécurité. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la sécurité? Qu'est-ce qui se passe dans le domaine des attaques? Dans le domaine des attaques dans le monde. C'était vraiment super. Je vais prendre une couple de ces diapositives qu'elle a présentées pour ma présentation que je vais faire au Red Hat Day. Mais ça a été super. Donc, c'est très différent de voir les filles présenter aussi. C'est une autre façon, plus expressive que les gars. Donc, j'ai vraiment adoré sa présentation. Donc, je vais en prendre des bouts, définitivement, là, puis je vais réutiliser ce qu'elle a fait. Autre nouvelle, rien à voir avec les RHTA, là, je saute d'un sujet à l'autre. Tiens, je vous mets ça ici à l'écran. Je l'ai mis ici. Non, je ne l'ai pas mis. Je vous mets ça dans le lien dans le chat ici. Au niveau des parts de marché, Linux, serveur, qu'est-ce qui se passe? Ça faisait longtemps qu'on avait eu une petite update sur ça. Donc, le 3 octobre dernier, on a eu une mise à jour, enfin. Ça faisait longtemps là, que je n'avais pas vu des statistiques sur ça. Voir ce qu'on est rendu. Au niveau des serveurs payants, au niveau du domaine d'entreprise, aujourd'hui, voici les parts de marché en date du 3 octobre. C'est une étude qui a été faite par IDC. Donc, on peut voir que le marché du serveur continue de croître, ce qui est bien. Microsoft domine toujours au niveau entreprise, mais regardez Red Hat ici. Grosse croissance toujours, 20% année par année, alors que Microsoft descend. On ne parle pas de Linux, on parle de Red Hat. Donc, au niveau entreprise, on a un footprint assez important chez Red Hat, ce qui est super. Ce n'est pas une surprise non plus, mais c'est le fun de voir que ça continue de croître. De voir qu'on se rapproche de Microsoft aussi en termes de part de marché entreprise et tous les autres, Linux et autres OS, se partagent le reste avec 17,7. Donc, super. Belle statistique pour nous autres, du moins. Belle statistique pour Linux. Sinon, du côté des serveurs, peu importe que ce soit payant ou pas, là, Linux s'y dépasse. Il dépasse largement Windows. Donc, on parle de 68-31. Et tous les autres OS se partagent le reste. En fait, c'est Unix 0.3. Donc, c'est le fun de voir que Linux domine tout marché confondu à 68% et que on voit ici Windows. On n'a pas le. Ça monte ou descend, là, mais bref, c'est le fun de voir que le marché dans lequel on est, c'est ce qui est le plus populaire aujourd'hui. Donc, super le fun. Quoi d'autre dans les nouvelles? Oh, Fedora. Peut-être une petite nouvelle sur Fedora. C'est pas, tiens, c'est juste pour faire le fun parce que c'est pas vraiment très sérieux comme nouvelle. Mais je vous montre ça. En fait, je vous mets le lien dans le chat qui est ici. Je vous montre ça à l'écran enfin pour en discuter. Donc, on regardera tu sais, une petite vidéo. Aussi, en même temps, je vais monter le son ici qu'on entende ce qui se passe. Donc, nouveau projet, logiciel de démarrage pour Fedora. Qui s'appelle Flickr Free. Qu'est-ce que c'est Flickr Free? Donc, si on regarde, je crois qu'on a une petite vidéo ici. Donc, c'est lorsqu'on démarre l'ordinateur, ce qu'on installe Linux aujourd'hui, lorsqu'on démarre le BIOS, le temps une fois que le BIOS passe la main au système d'exploitation, il y a un petit flick qui se fait. L'image scintille, en fait, si vous voulez, on passe du texte au graphique. Là, ici, on passe vraiment du UEFI directement à l'interface de Fedora là, sans avoir ce flicker-là, ou flickering, je ne sais pas comment appeler ça, là, ce scintillement-là. En fait, je crois que Windows, en tout cas, faudrait que je regarde sur l'ordinateur de mes enfants, mais lorsqu'on démarre Windows, on a ce même concept-là. Je pense qu'ils ont voulu, l'équipe de Fedora a voulu apporter ça aussi à Linux. Donc, c'est très très bien. On le voit vraiment dans les dernières minutes, là, dans les dernières secondes. Donc, il y a pas de. On ne vient pas en mode texte pour rien, on reste en mode graphique. Puis on a, je pense, l'impression aussi, ça donne l'impression que l'ordinateur démarre plus vite. Donc, encore une fois, rien de sérieux ici, pas de grosse nouvelle, c'est juste une petite nouvelle de fun que je trouvais. Je suis tombé là-dessus, je pense, la semaine passée. Je disais, c'est tombé cool ça. Pourquoi pas le partager avec vous? OK.
RHTA de retour, qu'est-ce que j'ai découvert aussi? Participer à une session sur l'avenir de nos offres cloud hybride. OK? Ça a été touché, je crois, au summit l'année passée, mais très vaguement, rien d'officiel. Au RHTA, on s'est fait présenter ces solutions-là. Enfin, on s'en vient avec trois nouvelles solutions de Software as a Service. Donc, vous connaissez sans doute Access Insight. Si vous ne le connaissez pas, allez voir ce service-là qu'on offre. Vraiment un service super le fun. C'est de l'information proactive qu'on vous livre pour vos serveurs qui sont attachés au service. Comment on arrive à faire ça? On a collecté pendant des années des données, des métriques au niveau support, des données, des courriels, des messages qui sont échangés entre nous et plusieurs clients sur des problèmes. On a réglé plusieurs problèmes. Donc, on a fait un big data avec ça. Et les gens se connectent à ça avec le serveur. Et proactivement, Red Hat vous envoie de l'information. Comment améliorer la stabilité, la sécurité, la performance de votre serveur. Les commentaires que j'ai des gens qui l'utilisent sont vraiment impressionnants. J'ai entendu toutes sortes de super histoires des gens entre autres, qui pensaient que tout le serveur était patché, mais finalement, sur 1000 serveurs, il y en a une centaine que, oups, Insight a détecté. Mais non, ces serveurs-là ne sont pas à jour. Ou vous avez une batterie de serveurs Dell flambant neuve, vous déployez des serveurs web sur ça, et vous doutez un petit peu de la performance. Insight peut en fait valider, confirmer. Pas nécessairement qu'il va confirmer, mais s'il détecte quelque chose qu'il a vu chez d'autres clients, il va vous le dire. Et c'est arrivé chez un client pour ses serveurs web. Juste un paramètre à passer dans le kernel Linux, paramètre qui était fourni par Access Insight pour améliorer la rapidité des cartes réseau sur un serveur Dell. Donc aussi. Donc c'est un beau service, c'est un service qui se consomme en ligne. Question que j'ai eue au Linux Meetup, pour ceux qui étaient au Linux Meetup il y a une couple de semaines. J'ai participé au Linux Meetup, c'est vrai, j'aurais pu peut-être parler de ça. Je ne sais pas si j'en ai parlé ou en tout cas, ben, peu importe. Il y a eu le Linux Meetup au bureau à Montréal. On recevait le Linux Meetup, c'était leur 15e anniversaire. On a eu, je n'ai pas le nombre exact, là, 70-75 personnes qui se sont présentées. On a présenté, moi, Eric, Satellite et RL. Ça s'est super bien passé, un paquet de questions. Et une question que j'ai eue, et je pensais avoir dit la bonne réponse, et on en apprend tous les jours, mais Red Hat Access Insight, c'est un projet en ligne. Mais est-ce qu'on a un projet open source associé à ça? Eh bien oui. Eh bien oui. Donc, je vous mets le lien. En fait, on n'a pas de projet open source, c'est Access Insight. C'est le code source d'Access Insight qui est directement sur GitHub. Donc, vous pouvez aller, si vous êtes développeur, vous voulez voir qu'est-ce qu'on fait avec Insight. En fait, c'est plusieurs projets qui font partie de Access Insight. Donc, vous pouvez aller les consulter, voir qu'est-ce qu'on fait avec ça ici. Donc, super le fun de voir que même nos services en ligne sont open source. Et peut-être vous en passez un autre ici qui est Cocu. Donc, les anglophones n'ont pas. Savent pas qu'est-ce que ça veut dire cocu, parce que je ne suis pas sûr qu'ils auraient choisi ce nom-là. Mais bref, regardez ici: Open Source Solution for Cost Management of Cloud Enabled Cloud Environment. Donc, on s'en vient une solution en ligne pour vous aider à faciliter les études de coûts. Combien ça me coûte d'utiliser les services Red Hat sur Azure, sur Amazon. Le premier use case va être Amazon. Azure va suivre très très vite. Mais déjà, si vous voulez voir de quoi ça a l'air, le code est déjà disponible. C'est open source, c'est sur GitHub, c'est public, il n'y a pas de secret là-dedans. Donc, on a d'autres services qui s'en viennent. On va avoir la chance d'en parler dans les prochaines émissions. Mais on a des services en ligne qui s'en viennent, qui vont venir bonifier un petit peu ce que vous faites avec Red Hat. OK, donc presque une heure pour aujourd'hui. Je crois que je vais terminer. J'avais d'autres nouvelles, mais je reviendrai. En fait, la prochaine épisode ne sera pas dans 2 semaines. En fait, je vais faire une petite modification pour l'automne, puis on verra comment ça se va. Au lieu de faire des émissions aux 2 semaines, on va les tenir aux 3 semaines. Ça me laisse un petit peu plus de temps là, de récolter de l'information, construire ça pour vous, parce que tout à structurer ces épisodes-là, ça prend beaucoup de temps. Et j'ai énormément de travail ces jours-ci, donc je vais juste distancer un petit peu mes épisodes aux 3 semaines pour une période où on verra si on ramène aux 2 semaines. Donc, on reviendra avec plus de nouvelles dans 3 semaines. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous parler? Et terminer avec ça, là, deux grosses sorties depuis 3 semaines. Donc, je peux peut-être changer le titre ici. Donc, deux grosses sorties. Ansible 2.7.
Pas de grosses nouveautés. On joue souvent avec ça. On en a parlé cette semaine au Ansible Meetup, mais la grosse nouveauté, c'est le module Reboot pour Linux qui est basé sur le module Reboot de Windows. Donc, il y avait un module Reboot disponible pour Windows, ça fait déjà plusieurs releases, mais il n'y en avait pas pour Linux. Donc, on en a créé un pour Linux. On a augmenté on est rendu qu'on supporte Python 2.6, 2.7, pardon, le 2.6 avec Ansible. Fait que faites attention à ça si vous gérez des périphériques. Des serveurs qui n'ont pas Python 2.7 d'installer, ça peut être problématique. Puis on a amélioré les performances. Donc, ce n'est pas une grosse release. Pas que des petites corrections, des petites choses le fun. Autre grosse sortie, beaucoup de monde avait hâte à cette sortie-là. J'en ai déjà parlé dans les derniers épisodes, Satellite 6.4. Donc, était bêta et maintenant passé officiellement en GA, disponible. Enfin, on voit un satellite avec Ansible. Donc, Ansible vient bundler avec Satellite 6.4. Définitivement, c'est un sujet qu'on va adresser. On a déjà touché à Satellite 6.3 dans le passé, dans les émissions. Mais avec 6.4, je vais revenir avec un spécial sur 6.4. Ça va être une émission qui va durer probablement plus qu'une heure, parce qu'il y a tellement de choses dans Satellite 6.4. Donc, on prendra le temps de l'installer et d'explorer ces nouvelles capacités-là. Donc, c'est ce que j'avais comme sujet pour vous aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu plus court que d'habitude. Encore une fois, le but, c'est de passer le plus d'informations possible. On a tous nos occupations. Aujourd'hui, c'est une grosse journée. J'ai beaucoup, beaucoup d'items sur ma planche aujourd'hui. Beaucoup de suivi à faire. Donc, alors, on se dit alors dans 3 semaines. 3 semaines, ça nous mène. Je vais regarder quelle date. Ça nous mène au 9. Je crois que ça nous mène au 9 novembre. Donc, je verrai quel sujet qu'on va adresser. Je ne sais pas si on va. Si on irait avec 6.4, je vais réfléchir à ça. Je vais en discuter avec mon collègue Eric, qui est un bon. Qui donne de bonnes idées, en fait, pour ces émissions-là. Peut-être qu'Eric, tu pourras venir, si on fait un spécial à 6.4 avec moi, tiens, pour faire ça ensemble. Ça pourrait être le fun. Donc, sur ça, je vous souhaite un bon week-end. Puis on se revoit dans 3 semaines. Merci. Bye bye.